pleasure to introduce Judith Fetzer. She's the co-founder and president of Cookit. Cookit is a Montreal-based startup that has a mission to revolutionize the food distribution system in Canada by taking advantage of the Canadian passion and pride for food. She has a BA in business administration and has already participated in several startups. Passionate about the web and food, she often joked about changing the world, but between you and me, it seems like she actually is. Oh, there you are. Hi guys, bonjour tout le monde. Très contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter Cookit. En fait, Cookit a lancé, on a lancé en juin 2014, donc ça fait déjà un petit bout. Pourquoi on a lancé Cookit? Mais en fait, présentement, il y a moins de 1% des achats de nourriture qui se font en ligne au Canada. Donc, on est hyper en retard comparé à plusieurs pays en Europe, plusieurs pays en Amérique et en Australie et partout à travers le monde. Et bien, si vous êtes comme moi, ben, on se dit que dans 10, 15, 20 ans, ben, ça n'existera plus faire l'épicerie. Nos enfants ne feront probablement jamais l'épicerie de la manière que nos parents l'ont faite. Ça, il y a 2 ans, c'était peut-être un petit peu plus difficile de pitcher aux gens qui m'entouraient, ma mère, ma grand-mère, qui, eux, ne croyaient absolument pas en le potentiel de Cookit. Mais on a lancé quand même. Un des plus gros avantages de Cookit, ça a été de tout de suite s'incorporer dans la communauté de startups qui, eux, étaient des gens qui croyaient au changement qu'on voulait initier. Donc, qui croyaient à shipper de la nourriture online à travers partout le Québec. Donc, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas Cookit, on est une compagnie qui fait les kits à cuisiner. En fait, on est la première compagnie canadienne qui a lancé les kits à cuisiner. Chaque semaine, nos abonnés s'inscrivent sur notre site web, en fait, ils se sont inscrits une fois. Et ensuite de ça, nous, on leur propose 6 nouvelles recettes par semaine. Et puis, ils choisissent leur menu à travers ça. Ils reçoivent tous les ingrédients, la fiche recette, dans une boîte qui garde sa fraîcheur jusqu'à 30 heures. Et maintenant, on livre partout, pratiquement partout au Québec. Et donc, Alma, on a plusieurs clients, Sherbrooke, Québec. Donc ça, il y a 2 ans aussi, ça a été un énorme défi. Maintenant, on dirait que ça fait partie du quotidien d'avoir de shipper de la bouffe. La première année de Cookit, on a lancé et puis on a lancé un modèle à la carte. Aux États-Unis, c'est le portrait qui s'était dessiné. Il y avait 2 compagnies qui faisaient ça à l'époque. Une qui avait lancé un modèle à la carte et une qui avait lancé un modèle subscription-based. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est Plaisir des Blue Apron. Et nous, en regardant ça, on s'est dit, bon, on va lancer un modèle à la carte. Les gens, les Québécois, sont peut-être un petit peu frileux avec le principe d'abonnement, donc on va le lancer comme ça. On a lancé comme ça, on a eu plusieurs, on a vraiment eu du beau traction dans les médias, les gens en parlaient, c'était nouveau, c'était quand on contactait des journalistes de Art de Vivre et tout, ils nous disaient enfin pas un autre restaurant, on a quelque chose de nouveau à parler dans notre catégorie de journal. Et puis on a bâti notre première année là-dessus. À cause d'un. Bon, en fait, après environ 1 an, on a décidé de tester l'abonnement. C'est un modèle qui est en train de se lancer. Maintenant, on est plusieurs au Québec à faire ça, plusieurs au Canada à faire ça. Donc, le modèle d'abonnement était quelque chose qui revenait souvent de la part de nos clients. Et donc, on a décidé de le lancer pour le tester. Ça a eu un impact vraiment majeur, à tel point qu'on s'est dit, OK, wow, il faut vraiment aller vers ça uniquement. Quand on a décidé de lancer Cookit, un des trucs que je lisais partout et une des choses que j'adorais du modèle d'affaires de Cookit, c'était que c'était un modèle d'affaires qui était scalable. Donc, on peut shipper partout à travers le Canada, à travers 2 ou 3 hubs, et c'est un modèle d'affaires qui se réplique bien. Et ça, la scalabilité, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, que je voulais absolument avoir dans mon modèle d'affaires. Par contre, une des choses que je n'étais pas au courant, c'est qu'en start-up, quand tu bootstrap, il faut faire des choses qu'on a faites souvent, mais il faut être prêt à faire des choses qui ne sont pas scalable. Donc, on a lancé le modèle d'abonnement, on a eu un immense succès avec ça, et on s'est dit, c'est sûr, il faut lancer ça uniquement.
Et là, quand tu bootstrap, ben, t'as pas toujours les moyens qui viennent avec des plus grosses startups. Donc, on a décidé d'engager quelqu'un au service à la clientèle qui sera en mesure, lui, de contacter les gens directement. Donc là, on amène la technologie au cœur des gens, mais on leur demande, on les appelle, puis on leur envoie des courriels semaine après semaine. Bien, ça a été mon plus bel apprentissage dans Cookit. Vraiment, ça a été de faire les choses, et puis après ça, la décision était unanime. C'était ça, on avait le data, on avait les chiffres, le revenu a triplé, quadruplé dans l'espace du premier mois. Là, ça fait 3 mois qu'on a l'abonnement. Donc, après ça, des choses, c'est sûr qu'il fallait allouer un budget nécessaire pour un dev pour développer toute cette plateforme d'abonnement-là. Mais Elias m'avait demandé aujourd'hui de parler un peu de l'apprentissage que j'ai eu à travers Cookit. Et c'est ça. Faites des choses qui ne sont pas scalable dans un modèle d'affaires scalable. Merci. Une fidèle question. Can you tell us a little bit about your previous company? They say you were in other startups before. En fait, j'ai travaillé aidé des gens à bâtir 3 compagnies en n'étant absolument pas au courant qu'il y avait toute cette communauté startup qui existait à Montréal. Donc, ma première compagnie avec laquelle j'ai été impliquée, ça a été de faire de l'import-export au Ghana en Afrique, puisqu'on était allé travailler pendant 6 mois. Et ça a été un fiasco total. parce qu'on se disait qu'en Afrique, il n'y avait rien, puis finalement, on était là-bas, puis il y avait beaucoup de choses. Et ensuite de ça, ça a été une compagnie dans le textile et dans la finance sur le domaine Internet. Merci. Question à part, je pense que c'est un peu tough de trouver 6 recettes chaque semaine, donc est-ce que c'est un défi pour vous de faire ça? En fait, vraiment bonne question. En fait, c'est un des trucs les plus, pas tant compliqué, mais Cookit, c'est vraiment un business d'opération. Chaque semaine, on produit 6 nouvelles recettes qui contiennent entre 10 et 12 ingrédients par recette. Ces recettes-là doivent être élaborées. Donc là, il manque l'aspect création de recettes. Elles doivent être élaborées, testées, shootées, rédigées, révisées, implantées sur le site web, design d'affiches recettes, impression d'affiches recettes, envoyées en opération. Et ça c'est un processus qui revient à toutes les semaines. Et puis, il faut simplement s'assurer, il n'y a aucune boîte qui est pareille. Là, chez Cookit, il y a des 2 portions, des 3 portions, des 4 portions. Les gens choisissent leur menu, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Donc, chaque boîte est vraiment unique. Donc, ça a été durant la première année, ça a vraiment été de s'assurer qu'opérationnellement, la boîte soit vraiment à un niveau 100%. Parce que quelqu'un qui reçoit son onglet de bœuf avec une poêlée d'épinards, peu importe, mais qui n'a pas sa gousse d'aise, la personne est tolérante. Mais quelqu'un qui reçoit ça et qui n'a pas sa pièce de viande, la personne devient un peu moins tolérante. Donc, oui, c'est un grand, grand défi opérationnel. Oui? C'est présentement, on est en train de. Présentement, on est en rampe de financement. Ça avance très bien, on est très content. On n'a pas fini encore. Donc, on cherche à engager. Donc, viens me voir après. Merci!